Alors, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 29 ans. Je viens d'une famille encore unie, enfin, mes parents sont encore mariés, j'ai un grand frère. Et j'ai vécu 20 ans à Grenoble. J'ai quitté après Grenoble pour Montpellier pour faire une licence de commerce. Les bénévoles ici dans le Festival de Résistance et les bénévoles au projet de la ressourcerie des Foix. Et voilà, elles cherchent aussi à avoir une activité qui correspond plus avec ces principes, un peu plus de faire autrement et de trouver aussi de faire par soi-même, de faire pas ce qu'on dit qu'il faut faire. Y a un petit projet dont j'ai entendu parler. Que c'est, en fait, c'est une mini-série collective, mais c'est que des femmes. Donc l'idée, c'est que l'entrée des hommes, en principe, c'est interdit, parce que ça, voilà, elle trouve sa place pour le faire. Il y a pas mal de femmes qui essaient de faire ça, qui aiment ça. Mais après, il y a toujours, je sais pas, les statistiques, peut-être c'est toujours une petite partie. Mais moi, je trouve que... qu'il faut faire avec l'exemple qu'il faut montrer. Ici à Foix, tu as retrouvé un autre mode de vie, plus alternatif, plus ça te convient mieux qu'avant. Pourquoi tu as choisi en fait de venir à Foix? Je dirais pas que ça me convient mieux. Disons qu'à l'époque, je me posais pas toutes ces questions sur ma façon de consommer. Je consommais comme, je crois, pour moi, quelqu'un de lambda. De toute façon tout à fait naturelle, où j'allais faire mes courses qu'au supermarché. Je ne cherchais pas à consommer de façon éthique, par exemple locale ou bio, que ce soit dans les produits alimentaires ou dans les produits manufacturés, usinés, industriels du moins. Ce qui m'a fait un petit peu changer de manière de vie, je crois que c'est comme tout le monde, c'est au fil des rencontres. Au fil des discussions, où on se rend compte que les gens ont aussi une autre manière de vivre. Alors, au début, c'est des gens, je me moquais un petit peu d'eux, les gens qui consommaient bio, ça faisait vite écolo bio, ça me plaisait pas trop, ça faisait plus... pour moi, il y avait un côté un peu, comment dire, je consomme du bio pour me faire bien voir, un petit peu, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Il fallait consommer mieux. Et c'est au fil des rencontres, notamment beaucoup au sein de la ressourcerie, où c'est un lieu qui lutte pour la réduction des déchets, du coup qui essaie d'avoir une marche en avant concernant la planète, l'écologie et toutes ces questions-là. Je suis arrivée à la ressourcerie d'abord pour m'occuper, pour trouver une activité à faire, pour ne pas rester au chômage bêtement. J'étais pas du tout dans la cause de la réduction de déchets. C'est après que ça m'a intéressée. En faisant un petit peu de menuiserie ici, parce que du coup je viens réparer des meubles, entre autres, je m'occupe aussi un peu de la partie vente, tout ça. Ce qui est plus agréable que dans une vraie entreprise, où c'est toujours difficile pour une femme de faire sa place au sein d'un milieu très masculin encore. Alors qu'à la ressourcerie, c'est un milieu très très mixte et c'est beaucoup plus simple que dans une entreprise classique. Je vais changer radicalement de lieu de vie. Donc là, j'étais dans deux villes très citadines, Grenoble et Montpellier, à Foix. Et là, je vais aller vivre au Bosque, dans un oasis, l'oasis Bardol, donc chez des amis, Marie et Juan. Donc qui sera une... l'oasis, donc une vie en communauté avec un lieu qui est en train de se créer, une bonne synergie, une énergie. Et c'est un joli projet où il y a un an, je ne me serais même pas imaginé participer. C'est, euh,
c'est une toute autre vie. Mais je pense que par rapport au point de départ que j'avais, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Je crois que ça va être bien, ça va être chouette.